Donc nous voici devant la borne à Colombey et deux églises. Alors ça se trouve à côté de la mairie. Bon, j'en prends du recul. Voilà. C'est la seule borne 22 kg accessible. Alors on va voir ça de plus près. Donc j'ai pris mes deux badges. Alors toute neuve la borne, elle est belle. Hein. Alors, ça nécessite le câble, hein, bien sûr. On va faire un test avec charge map. Donc le badge, il faut passer là. Hop. Alors, ça dit quoi? Rouge, pas bon. Déjà, charge map, c'est foutu. Ensuite, New Motion. Là, c'est les deux badges que je trimballe avec moi en permanence. Et je n'ai pas 56 000. Hein. Normalement, ça ne doit pas fonctionner non plus. Ah bah, il fonctionne. Ah bah, ça, c'est le comble. C'est bon à savoir. Vous voyez, New Motion fonctionne. Alors que sur le site Charge Map, c'est pas compatible. New Motion, pardon, c'est pas compatible. Bah, ça doit être quelque chose de tout récent. Bah oui. Voilà. On peut se recharger. Normalement, la recharge est gratuite. Et bien, c'est ce que je vais faire. Je vais me recharger. Je vais sortir le câble. Je vais en profiter. A tout de suite. Donc voilà, je me suis connecté sur la partie gauche, la prise de gauche, qui ne fonctionne pas. Voilà, vérification en cours, ça va faire maintenant quelques minutes que ça vérifie. Celle de droite, la trappe s'ouvre sans problème avec le badge. Mais c'est un système de sécurité qui verrouille et déverrouille les prises, bien sûr. Quand on branche une fois la prise, notre câble sur la prise de courant de la borne, il y a un système de verrouillage pour éviter que quelqu'un vienne de la prendre, bien entendu. Et ce système-là est resté en position fermée. Voilà. Donc la prise de droite n'est pas fonctionnelle, ni celle de gauche. Ouais, c'est les mauvaises surprises. Hein. Mauvaise surprise des bornes, et sur le coin, là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, bien sûr, vous avez sur le département d'Aube qui se trouve à côté, Bar-sur-Aube. Mais bon, on aurait souhaité dans une commune comme ça qu'il y en ait au moins deux bornes, comme c'est touristique, évidemment. Et puis qu'il fasse vérifier ces bornes régulièrement quand il y a un problème, qu'il y a un technicien qui vienne et venir réparer, corriger le problème. Oui, mais ça pour l'instant, c'est pas une priorité. À plus tard. Donc je reprends la vidéo, j'ai pas pu me recharger à Colombey deux églises. La prise de gauche donc défectueuse. Et enfin du moins ça ne détectait rien du tout, ça ne voulait pas se lancer la charge. Et à droite, la prise est défectueuse. Et la bonne nouvelle, je suis à Bar-sur-Aube, sur le parking Leclerc. Donc quand on traverse Bar-sur-Aube, on est obligé de passer devant. Et la borne fonctionne avec le badge charge map. Ça c'est une bonne surprise parce que sur le site de charge map, c'est pas indiqué que c'est compatible. Donc voilà, il suffit de passer le badge, juste l'amener à quelques centimètres hein, sans toucher ici, et ça déverrouille soit à gauche soit à droite en appuyant sur P ici ou P là. Voilà, c'est pas la peine de passer le badge ici, ça sert à rien. Ensuite, une fois que la charge sera, j'aurai jugé qu'elle soit bonne, qu'elle sera assez bonne, je repasse le badge pour déverrouiller cette partie-là, où c'est qui est branché mon câble. Voilà. On va voir à l'intérieur. Ah bah,
Charge batterie impossible. Alors, c'est quoi là, faut vite déverrouiller. Ah, comme quoi, il faut toujours faire attention. Il faut que je déverrouille cette fameuse prise. Ah, comme quoi, elle n'est pas fonctionnelle à dire. Je repasse le patch. Voilà. Toc. Alors ça, c'est pas une bonne chose. Bon, une borne toute neuve. Hein. Il y a du boulot en France. Hein. Il y a du boulot. Avant que tout soit bien fait.